nous allons voir tout simplement une solution et la solubilité. Solution aqueuse plus précisément. Solution aqueuse et solubilité. Alors, je vais un peu d'abord commencer par la solubilité. La solubilité, je ne vais pas tracer. La solubilité dépend de la température de la solution. Donc, pour connaître la solubilité, il faut connaître la température de la solution. Regardez par exemple, si vous prenez de l'eau chaude, vous mettez du sucre. Prenez la même eau au robinet qui n'est pas chaude, vous mettez du sucre. Vous allez voir combien de temps, le temps que ça va prendre, par exemple, le sucre va prendre pour se dissoudre. Vous voyez, l'eau chaude ne dissout pas, on va dire comme ça, eh bien, le sucre à la même vitesse, si vous voulez, que l'eau du robinet. L'eau du robinet, ça prend plus de temps. Vous voyez, un peu, il y a plus de temps, alors que de l'eau chaude, si vous prenez tout de suite du sucre, vous mettez dans l'eau chaude, vous allez voir, le sucre va se dissoudre rapidement. Rapidement, comparativement à l'eau du robinet, le sucre va prendre un peu plus de temps. C'est ça, donc la solubilité d'un soluté dépend de la température de la solution. Alors bon, on revient sur la solution. Je vous ai mis ici le sucre ou le sel. Le sucre ou le sel, on dit c'est le soluté. C'est le soluté. Lorsqu'on le met dans l'eau, ça c'est de l'eau, on remue, on agite, agitation, voilà. L'eau c'est quoi? C'est le solvant. L'eau c'est le solvant. Solvant, soluté. Donc, pour avoir une solution, on a besoin d'un soluté et d'un solvant. Le soluté, il est en petite quantité et le solvant, il est en grande quantité. Le plus souvent, les solvants, c'est des liquides. C'est des liquides, en l'occurrence, ici, c'est l'eau. Très bien. Donc, le sel ou le sucre, complètement dissous. Vous voyez, on a mis du sucre, on a mis ou du sel. On ne voit rien. Complètement disparu dans l'eau. Voilà, on dit que le sucre s'est dissous complètement, ou bien le sel s'est complètement dissous. Vous voyez? Alors, ce genre de solution, comment appelle-t-on ça? On appelle ça une solution non saturée. Solution non saturée. Lorsque le soluté se dissout complètement, dès qu'on ne le voit plus, dès qu'il n'est plus visible, on dit qu'on a affaire à une solution non saturée. Et bien voilà l'exemple ici. Donc une solution, c'est quoi? C'est un soluté plus un solvant. Une solution, c'est un soluté plus un solvant. Le soluté, il doit être en petite quantité. Et bien le solvant en grande quantité. Exemple ici, le soluté c'est le sucre ou bien le sel. Et le solvant ici, c'est l'eau. Maintenant, je vous ai mis du sucre ou du sel et de l'eau. Une solution. Mais dès qu'on voit encore du sucre, ou bien dès qu'on voit encore du sel, lorsque le sucre est visible, regardez. On ne peut dissoudre indéfiniment une quantité de soluté. Donc, si vous mettez, par exemple, beaucoup, vous faites ça souvent à la maison, vous mettez parfois du sucre, beaucoup de sucre dans l'eau, un peu d'eau, vous allez voir, vous allez encore voir du sucre, du sucre dans le verre ou bien dans la bouteille, je ne sais pas trop, dans l'assiette, hein, c'est le sucre. Voilà, donc, c'est un peu cet exemple. Dès que le sucre est encore visible, on dit que la solution est saturée. Ça veut dire que la quantité maximale a été atteinte. La quantité maximale que l'eau peut dissoudre. Vous savez, l'eau ne peut pas dissoudre toutes les quantités. Si vous prenez par exemple une petite quantité d'eau, vous mettez un sac de sucre là-dedans, vous voyez qu'on ne va même plus voir de l'eau. Voilà, on obtiendra dans ce cas une solution saturée. Donc quand la solution est saturée, ça voudrait dire quoi? Que le sucre ou bien le sel est visible, comme ici. Ça veut dire que la quantité maximale a été atteinte. La quantité maximale de sucre ou de sel, que cette eau, que ce solvant est capable de dissoudre, cette quantité maximale a été atteinte. Donc, on ne peut dissoudre indéfiniment. Non, c'est pas. Si vous mettez du sucre, vous ajoutez tout le temps, l'eau ne pourra pas absorber toute cette quantité de sucre et bien de sel et on obtiendra une solution saturée, tout simplement. Alors, une solution aqueuse, c'est quoi?
Elle contient de l'eau. Donc, en fait, le solvant aqueux. Le mot aqueux veut dire de l'eau. Le mot aqueux veut dire de l'eau. Donc, une solution aqueuse, c'est une solution qui contient de l'eau. Donc, le solvant est de l'eau. Alors, maintenant, je vous ai mis la formule de la solubilité. La solubilité, c'est un petit S. Un petit S. S égale M max. La masse maximale, par exemple, qui peut être dissoute. Comme je vous ai dit tantôt, on ne peut pas dissoudre toutes les quantités de sucre dans un verre d'eau. Donc, il y a une masse maximale. Dès que cette masse maximale est atteinte, le sucre, la solution deviendra saturée. On verra encore du sucre ou bien du sel dans l'eau là. Il y a une masse maximale qui ne doit, qui, dès qu'elle est atteinte, l'eau ne peut plus absorber, l'eau ne pourra plus dissoudre tout le sucre ou bien le sel. C'est ça. Donc, la solubilité, c'est la masse maximale que, en soluté, que le solvant est capable de dissoudre. Divisé par le volume. Le volume, c'est en litres. La masse maximale, c'est en grammes. Et la solubilité, c'est en grammes par litre. Donc, elle permet de déterminer la masse maximale du soluté, comme je le disais, qui peut être dissous. Qui peut être dissous. Exemple rapidement. V égale 20 millilitres. Je convertis, ça fait 0,20 litres parce qu'on a mis ça en litres. La masse maximale, c'est 51,0 grammes. Alors, si je veux calculer la solubilité S, ça fait 51 sur 0,2, 255 grammes par litre. 255 grammes par litre. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.